having been to Grosseal, as I have, you really get the feeling that this fellow was very special, and it's a great privilege to be part of this family. Dr. Frédéric Montizambert arrived at Grosseal, Canada's main quarantine station, in 1866. What he found on this island in the middle of the St. Lawrence was a facility that hadn't changed since it was thrown together in panic 3 decades earlier. La station de quarantaine ouvre ses portes en 1832 pour contrer une épidémie de choléra qui peut être transportée ici par les immigrants. Entre 1832 et 1860, avant l'arrivée du docteur Montizambert, on assiste à plusieurs épidémies de choléra et de typhus. On est obligé de construire plusieurs bâtiments rudimentaires comme celui-ci pour loger les gens et les traiter. Souvent, ces gens-là vont décéder suite à un manque de traitement efficace parce qu'on ne connaît pas la cause des maladies contagieuses et leur mode de propagation. The result of this lack of knowledge was death, as epidemic after epidemic swept through Europe and then crossed the Atlantic. Cholera, typhus, smallpox. The worst came in 1847, when almost 3,500 Irish immigrants, fleeing starvation, died of cholera and were buried at Grosseal. In 1869, Dr. Montizambert became medical superintendent and immediately began to modernize the station. He faced a huge challenge. Newly independent Canada was encouraging immigration, and steamships were bringing people faster than ever before. Après 30 ans d'existence, la station de quarantaine a besoin d'être modernisée. Alors, le docteur Montizambert veut tenir compte des progrès qui ont été faits grâce à la navigation à vapeur. Il doit fournir un confort comparable à celui qui est offert sur les navires, pour ce qui est de la détention des gens qui sont débarqués. D'un autre côté, il doit appliquer les nouvelles technologies qui ont été développées suite aux découvertes bactériologiques. On parle ici d'une désinfection efficace, d'une inspection des navires plus rapide. Dr. Montizambert had been following the work of Louis Pasteur and his colleagues and was one of the first doctors in North America to realize the importance of the new bacteriology. En 1883, Robert Koch découvre le vibrion du choléra. À partir de là, des recherches sont faites pour trouver les meilleurs moyens de détruire ce germe qui est si meurtrier. Alors, aux États-Unis, on développe des façons de tuer les germes qui pourraient être transportés dans les navires. Et la désinfection par la vapeur surchauffée est un moyen efficace de la faire. Alors, le docteur Montizambert se rend aux États-Unis pour prendre connaissance des travaux qui sont faits. Il va à la Nouvelle-Orléans pour voir l'application dans une station de quarantaine. Et il revient au Canada pour développer un modèle qui va être utilisé à travers toutes les stations de quarantaine canadiennes pour s'assurer d'une désinfection vraiment efficace et rapide. It was clear to Dr. Montizambert that disinfecting ships wasn't enough. He had to find a way to disinfect immigrants and their personal belongings as well. The answer was steaming for the baggage and bichloride of mercury showers for the people. Lorsqu'un navire arrive avec la maladie contagieuse à bord, on débarque tous les passagers d'entrepont pour désinfecter leur bagage. Eux-mêmes sont soumis à une douche désinfectante et ensuite ils sont dirigés vers des logements pour passer une certaine période de temps jusqu'à temps que les symptômes de la maladie soient disparus. Ce qui peut représenter, disons, dans le cas de la variole, environ 2 semaines. Dr. Montizambert also introduced vaccination for smallpox and constructed a laboratory right on the island to ensure faster response to potential problems. As a result of his innovation and tireless work, stations like Grosseal went from detention camps to modern quarantine centers operated on sound medical and scientific principles. In recognition of his achievements, in 1899 he was made Director General of Public Health. The culmination of more than a half century of public service came in 1919, when at Dr. Montizambert's urging, the federal government finally created a National Department of Health. Dr. Montizambert était un homme d'action. Il avait l'intelligence de trouver des solutions aux problèmes qui se présentaient pour la quarantaine.
C'est un homme qui a une très grande vision de la lutte contre les maladies contagieuses. He felt that he could best serve his fellow man by going into public service, and which he did, of course. And that was a great decision on his part, and of course, a great decision for all we Canadians.